fait, ça dépend s'il joue Preda. Si sans Preda, en vrai, le match-up, je trouve que c'est tranquille. Hein. Tu vas juste prendre Cage et Wukong et. Bah, en vrai, s'il ne joue pas Preda, comme je t'ai dit, je pense que je space la cage au W et ça le fait en vrai. Ça doit. Enfin, t'inquiète, ça doit aller. Normalement, vous êtes autoroute bot. Normalement, c'est ouais. C'est pas complètement free, mais on peut les tuer. Hein. C'est pas entièrement free, mais on domine tout le temps. Enfin, vous on avez le push bot side normalement. Je pense qu'on les bush. En fait, si on est even, on est plus fort. En fait, on a l'all-in, après, est-ce qu'on a le push? Ça dépend vraiment de la qualité du trash, quoi. Mais normalement, on a le push. Ouais, ok, ça marche. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre un prêche, en vrai. Pour moi, c'est un peu finito pipo comme champ. Et on a un très bon setup si on veut gank ou quoi. On est vraiment très très fort bot lane. Ça se joue. Je pense que vous avez un teamfight qui est très très fine, mais il va falloir absolument flank ou trouver un moyen de flank. Enfin, en plus, faut pas rester pack, quoi. C'est beaucoup mon job. Dans leur setup. Vraiment. Je pense que c'est à moi d'être un peu innovant dans la game, je pense. Faut surtout pas rester pack. Surtout pas. Le Wukong Veigar Cage. Exactement, Wukong Veigar Gnar, c'est. Je pense que c'est dramatique. J'avoue, avec les Gnar. En soi, il y a. Même chose en vrai de vrai. Joins et Robin pour en électron libre, ouais, et gober moi devant Shop, c'est pas vrai. Je pense que c'est ça, faut que je sois en front lane par contre, je peux pas être. Ouais, non, toi tu peux pas mettre des ulti flank à la con. Hein. Ils ont pas énormément pour setup pour faire des catch mono cible. Par contre, en teamfight, c'est un véritable carnage, donc faut vraiment être très très prêt. Ouais. On a vraiment. On est plus sur le mono cible, c'est juste si on en tue un, ça part quoi. Ouais. Et puis si tu tues pas Shop, Shop normalement ils sont censés slay Wukong et Gnar si commit quoi. Ouais. Le seul problème, c'est la range de Jinx, quoi. En teamfight. Et les gars. Je pense Thresh est à peu près free kill, je pense, à peu près dans toutes les situations. Réel. Il est que là pour avoir. Si Thresh s'avance, c'est clairement one tap. Normalement, il va être là pour lanterne Jinx et Veigar, quoi. Ouais. Mais chaque fois que vous avez un move, chaque fois qu'il se passe un truc, vous chasez un mec et que vous êtes packé, dites-vous ça pue. Enfin, faut vraiment faire très attention à ça. Yes, sir. Vas-y, ça part. Vas-y, hein. Allez. GLHF. Let's go. Et merci. Merci, mon bro. Échappe. Niveau 3, on leur pisse au cul. Ouais. Après, t'as Kane, je pense qu'on leur pisse quand même au cul. Bah, il va avoir un Ignite ou une Exostakins dans tous les cas, donc. C'est juste toi, quoi. Oui, mais pour moi, c'est. Mais. Si, en fait, à partir du moment où il flash out, faut pas qu'on follow quoi que ce soit, quoi, parce que je vais sans doute. En gros, le mec va sans doute flash out. En gros, c'est. Je joue qu'on trade sur ton Q auto-attaque E, et s'il flash, il flash, et s'il on chase pas, quoi. Ouais. Aïe. Il joue près d'Amid. Ouais, bon, c'est. C'est un peu normal, je dirais, je pense. C'est le mieux pour me punir. Attention, je pense qu'ils vont me camper. Il aussi prendre des free kills au top. Il va push et tout. Je pense il y a toujours moyen. Il y a moyen. Ouais, level 6, si j'ai un petit flash ignite ou même un flash exhaust en vrai. Je me rends pas compte si on gagne une pole de V2. Je pense pas. Wukong, c'est parti, je crois. Avec les deux bumps, je pense qu'ils nous chient dessus. Après, Veigar, ça joue. Moyennement, non ? Même niveau 6, ça reste. Ouais, enfin, tu sais, ça reste Veigar. En vrai, Wukong met 50% à Joinz, il appuie sur R et Joinz est mort, quoi. La finisher est trop lourd. Ouais, on va juste push la wave et se barrer pour faire. Quand on peut look, genre level. Enfin, quand vous êtes level 2, moi je fais mes 3 camp top, je peux look top side. De toute façon, je vais WE2 dans le matchup, je pense. Ok, vas-y. Attends, je peux finir, tiens. Hein. T'as dit quoi ? Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'outil. On l'a joué, non ? Quand je jouais sans Raka. Ouais. Ça fait déjà 2 semaines, ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est il y a un mois et demi. I miss those times. De quoi, genre ? Ouais. Bah, il a parlé de Soraka. Ah, oui. Ah, ok. J'ai cru que t'avais un bug. Après, franchement, la Séraphine de Chape. Si, ça bug, t'inquiète. La petite Séraphine de Chape. Mec, on en a pas assez sorti des Séraphines. Ouais. Bah, c'est moi je t'avoue que j'ai ma dose. C'est Hidden Broken. Quel bon. Vas-y, go in. C'est Chap qui le dit. Avec double Death Dance, impossible de perdre, no joke.
Faut juste toucher les spells. Don't hold back. Quel plaisir de retrouver mon jungle préféré. Tête de poule, mon jungle challenger. Quand même. Au top. Avec un petit leash. Enfin. Enfin, il a dit quand même. Ouais. Bah ouais. T'as choisi la couleur ? Ah, c'est bordé ici, je pense. Vas-y, va, dodge la chevelure dorée. Attends, je crois que j'ai raté un crit d'XP. Non, oh, pas de ça, s'il te plaît. Secondes mon encre. Paf, tout ce qui se passe en bot lane. Ah, je fais mon camp, je peux look mid du coup. Oh là là, t'as le W, enfin t'as W. Ouais, ouais, je... Ok. Et il joue vraiment pas. Hein. Après, on peut le faire, peut-être flash. Ouais. Ça va prendre, ça va un peu push là. Il a un peu de respect au Gnar. Je refais ça, je le vois. En vrai, il bait, il y a peut-être beaucoup, non, vu comment il joue. J'ai cru aussi qu'il y avait Wukong top, mais. Ah, il a fait un bad side, le Wukong. Donc ah, c'est... Moi, je peux look là. Hein. 5 secondes, je pense, pour Robo. Tu suis voir, non? Ouais, ah, ils t'ont vu comment il joue. On peut envoyer la vaisseau tourelle si on veut. Pour jouer le carapateur après. Non, je suis fine, Wukong d'être là. Ok, on la laisse comme ça alors. J'ai une aide donc il faut probablement gagner les trades maintenant. Yep. Alors Wukong est up. Il peut looker. Il peut look mid plutôt, non? Je suis un peu avancé. Il peut jouer là. Ah, je peux. On peut me pocher sous tourelle et je peux décaler au mid moi. Ah ouais, va revenir vers moi, faut que je sois un petit peu patient, ça va le faire. Je pense que c'est le seul timing où il peut jouer au dehors des siens, hein, oublie pas. Ah ouais, tu peux back toi, Chap. On peut look, je crois que c'est... C'est pas ward hein, au mid. Ok, je pensais. Normalement, il sait que je viens pour le bot side, donc. Je vais genre de ward. Ok, je reste aussi. Il y a le trash qui bouge, le Wukong il est... Non, il est des fois. J'ai peur que le Wukong soit top, en vrai. Ah, il est certainement bon. Ah, il fait tellement d'erreurs. Pardon, Fang. Si il freeze, c'est chiant par contre. Il a ward la lane. Il a ward la lane. J'ai un bon freeze. Ah, on va rester. On peut le faire chier au mid. Hein. Il a ward la lane et c'est. Il va venir des freeze, hein. T'inquiète, c'est des freeze déjà. Ok. Après, par contre, sur le boss, c'est pour les tuer. Mais, mid, c'est un truc bien tricky là. Vas-y. Je pense que Wukong est bot side. Ouais, là, je pense pas qu'il soit top maintenant. À mon avis, le Gnar, il a pas. Il a pas le jeu. Si tu veux jouer le raptor, je peux venir. Ouais, j'aimerais bien look mid là. Ah, il va back TP ? Je pense que t'es vu. Surtout. Il a dû. Il a dû. Sur chap. Bien joué. Je vais te sauver. Il a du base. Ok. Il y a Jinx qui a flash in. Ouais, Jinx a flash. Thresh, chap. Flash ou ouais, flash aussi. Tu veux reste pour moi. Ouais, je vais rester. Je prends une pote. On est en. Peut-être venir nous aider à... Ouais, en vrai, il y a un. Ah, c'est chaud là. Et ils vont peut-être back. Et il va peut-être back après cette wave. Je. Ah, il est toujours là. Back après direct. Hein. Donc c'est la push vers eux. Ouais, je peux pas la push. Ouais, quoique, je pense que je peux la push. Bon, nice. Vas-y, go push. C'est parfait ça. Faut que je reste avec toi du coup, parce que là tu mets la wave dans un état meilleur. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas la push seulement. Ouais, sans doute, t'as raison. Ok, je tiens mon top side. Ouais, mais je peux essayer de te freeze la wave. Ouais. Bah, genre, y'a les clips qui prennent d'aggro un peu moins. Le gars est bot side. Je peux pas cross, y'a sûrement trash avec. On se fait freeze en bot lane.
Ah, ils vont vouloir gang, je pense. Je check là, je vais me poser une ward ici. Peut descendre s'il faut, il faut que je vienne maintenant là. Ouais. Il est en train de la wave en plus. Ah, je te fais ça au passage. Fais gaffe, hein, fais gaffe là-dedans. Ok, on a vu Wukong. On a vu Wukong. Ouais, on va très chier. On va essayer de jouer le crabe. J'arrive, je suis un peu late pant. Ouais, ouais, regardez sur Wukong. Ah, je suis bloqué. On peut go Vegar, hein. On peut go Vegar. On go Vegar. Ouais, le Wukong est niveau 6 un peu. Avec le flash, c'est bien. Wukong est niveau 6, on veut pas fight, du coup ils ont renvoyé la wave, du coup c'est pas une. Je mets deux combats, tu utilises. Pas dessus, sur pas fight là. Fine, je pense qu'ils vont la laisser comme ça. Ils ont un timing dragon s'ils veulent, on peut pas. Il a dash dans son raid, le Wukong. Ok. Il est là. Probablement back en bot lane, ils sont en train de trap. Il est en train de TP bas comme il l'a. J'ai pas de spell encore. Il est 6 là. Wukong est sur ses golems, je pense. Y'a plus de TP mid. On push au bot. Oh, j'ai fait n'importe quoi, frère. J'ai envie de mourir. Peut-être qu'ils bougent pour jouer le Roi de la Flèche, c'est pas impossible. Oh boy. Bah j'ai. Ouais. Y'a moins de trash et tout ça. Sûrement mid déjà. Ouais, je prends ma cross hein. On peut, ouais, on pourrait jouer ses Raptors et tout. Kobe est dans le mal là. J'avais lu Kakar Ignite et je vais. Il a pas de flash, hein, lui. J'ai mon rire dans 40. Il a pas de flash, il a TP back. Il va back. Non, je pense pas, il vient TP back. Il va faire le bleu, mais vous pouvez faire le bleu là. On peut faire les Raptors avant en premier. Il y a sûrement du monde top. Elle est toute seule, bot, non? C'est un bête, je vais y aller. Ouais, je push le mid, fais gaffe Toth, peut-être. Je suis un peu en train il préda, de préda. Je vais les mid tanker en premier. Ouais, allez, je prends le gros. Ils sont Herald, non? Je pense qu'ils sont Herald, peut-être. Ah ouais, sûrement, oui, 100%. Oui, ils sont Herald. Ouais, je peux. Je sais pas, mais ça dive au pot, je sais pas prendre une plate. Je joue qu'un trade sur Thresh là. On va faire le tour, je pense. J'avais un solo kill à faire et. On va dire que ça s'est pas bien passé mécaniquement. Nous, Botlane, c'est très bien ce qui s'est passé. Non yep. La Jinx est un peu out de la, enfin, out de la game. Bon, elle est pas out de la game, mais. Restons calmes tout de même. Restons calmes, en effet. Je pense qu'il y a eu le dragon en plus, c'est vite. On a un timing assez faible là, ça va être à eux de jouer, faudra qu'on contre leur play héros de la faille. Il y a un bounce vers nous, bot. Ouais, faible. Le mid c'est free, hein. Genre il a pas de flash. Ouais, pas de flash. Je peux bisou flash. Je vais mid. Genre là, rien que là, en vrai, on le tue. Hein. S'il joue pour. Ah, c'est vrai. En train de prendre la vision, il me voit. Et vous, compte top. Ah, il me donne un freeze. Mais tu te mets là, tu flash, hein, non? Je prends de la vision bot side et j'arrive. Après, le truc, c'est que je me condamne si je fais ça vu qu'il peut me E et je suis dans la merde. Ah, il est genre ici. Non, mais il y a Wukong, je pense. Alors, Wukong, il est sur. Enfin, il va monter top, je pense. Il me voit. Il m'a wardé, sauf que je suis là. Oh, j'ai de la chatte. Il y a Wukong, bot side. Peut-être essayer de jouer l'Herald. Ça m'étonnerait aussi. Ils ont une grosse 40 secondes de mourir, 400. Non, mais t'inquiète, je vais rester bot side, il est sur les golems. Vigo, t'inquiète. Il a Ward où là? J'arrive pour canon à chapeau. Ah, canon. Ah merde. Wukong est là, 100%. Je peux rebouger. Je peux venir là. Ouais, ok, j'ai mon air soon. 100% qu'à Wukong, 100%. Ah ouais, 15 secondes. Ouais, il vient de passer ici. Y'a pas d'ulti au top. Ouais. Après, je pense que c'est pas un timing. C'est Ward. Pas sûr qu'on gagne comme ça. Il y a une pink. Okay. Thresh. Thresh a pris Tari. Il a flash. Vegar peut arriver au Preda. J'ai encore mon flash. Hein. Vegar est mid. Une close. Mais bah, j'ai envie de dire, j'ai la 3 secondes mon Q. On a un robot à first. Ouais, je peux descendre là. Ou jouer, on peut jouer ça aussi si vous voulez. Le fait que tu sois là, ça va être suffisant de push, c'est déjà pas mal pour nous. Ok. Là, je suis back. Lui, il a flash. Il a flash pour le con.
Ah, Frobra. Hop. Ça reste fine de fou. J'ai encore mon flash, donc le trash, il a plus de flash. Je peux le flasher la prochaine fois et il est mort 100%. Mais il a récupéré son flash normalement. Ouais, mais et t'inquiète, quand on joue comme ça, on peut one tap trash et. Même avec un flash, on tue là, hein, j'ai ça. Ok. Bah, je vais être topside ici. Lui veut toujours pêcher ce héros de la faille, hein. Si on arrive à suivre beaucoup, juste on veut être sur. Ah bah il retourne bot. Bah prends les mythes vite fait et quand et viens direct. Hein, mais... Non, j'ai pas le temps là. Ok. Ouais, il rush bot. Il va être avant moi le Vega par contre. Après, il peut pas roter, je pense, sans vision. Ouais, enfin. Bon, en tout cas, on le verra quoi. Ouais. Ils vont forcer à 4, hein, je pense. Je mets un Q et je bougerai, mais il a des bots en 2, j'ai pas de bot. Il a Predator en plus, il va venir vite. Ouais, il bouge déjà. Ouais, j'arrive. On perd le 4v4, non? Bah, ça dépend comment on le prend, quoi. 30 secondes mon ult. Ils vont juste le faire proc, hein. Je vais me montrer sur le side et... J'enlève la pink. Attention hook. Ouais, proc. Il y a plus de cash. Ah, ouais, c'est fine, non gold, hein. C'est bien. Je retourne mid. Pense on sort de ça. On a tous les camps à faire topside pour Jean. Ah, faut que je clear moi. Vas-y, clear quelqu'un. Il a tout au top, Gob? Ouais, il a tout au top. On peut quand même faire claquer les trucs. Je vais push une wave et je vais venir, ok? Ok. En vrai, il vient de claquer son nul. Le Wukong va faire la même chose, hein. Il va repartir topside pour venir. À moins qu'il soit en train de trap là et qu'il s'en fout furieux. Mais... J'ai mon R et ma gale force, mais on peut peut-être faire un truc. Hein. On peut jouer top là. J'arrive. En vrai, j'ai un exhaust. Je bouge en premier, moi. En vrai, si tu veux faire un. Ah, il recule déjà. Ouais, il fake. Je sais pas, je trinket rouge, normalement, y'a pas de vision. Mais... Vegar après Da, ouais. Laisse toute sur chance. Peut-être wave. Ouais, bah, tu veux mon robot? Ouais, j'arrive. Non, on peut avec moi, toi. Prochain peu vite, peut-être. Ils sont top, hein. Tu peux fight, hein, je suis là. Ah ouais, y'a plus d'eau que sur Thresh. Ils vont reculer, je pense. Je perds mon temps. C'est fine, si je peux prendre des waves, des plates. Non, ils reculent. Je suis là. Je go la Jinx. Y'a une TP. Double TP au bot. Elle est morte, je peux sortir moi. Non, et bientôt méga, il a encore le flash. Hein. J'ai flashé, je suis probablement mort aussi. Ouais, toi t'es mort. Ils sont les deux sur moi. Tu sortais, c'est vraiment ok. Hein. Ouais. J'ai pris une plate et tout en plus. Ouais, je vais en prendre un ballon rien. Oui. Ouais, bah, je suis là. Nice. Bien joué. On peut fight ça. Hein. Moi, je suis là. Ouais, c'est big hein. Si vous avez. Chap a plus grand chose, fais gaffe comme ça. Ouais, bien. J'ai plus rien du tout. Hein. Après, lui, il a plus grand chose aussi. Il a pas de flash. Il est freaky le trash. Il est mort. Ouais, je sais pas. Ouais. Je t'as le dragon. Je peux là. Ouais. J'ai un Ever Frost. Bah, t'es, il faudrait défendre quand même. Vu qu'ils prennent pas la tourelle. J'arrive, j'en sais pas s'il push. Il y a le Jinx top. Je sais pas si on le tue à deux. Je suis là. Il a pas juste après. Ça se fait à mon avis. Hein. Oh, t'as... Ah, il a le méga juste Drake. C'est bon, ça, la tour tombe pas. Je base. Désolé pour TC ce shop, mais. Oh, tranquille. Yeah, ils sont topside. On peut pas la tourelle boîte non plus. Hein. Ouais, go. Après, il est en méga, on peut pas le dive de suite, mais. Bah, il l'a plus. Yeah, c'est fine, du coup. J'ai pas de gale force par contre, hein, donc. C'est bon, on va voir la tourelle boîte en premier. Allez, du coup, bon, ils sont tous top, gars. Ils sont absolument tous au top, c'est pour ça. Ok. Il doit y avoir trash et tout. Laisse-moi le cap. Ils font le héros de la faille, je pense. Y'a des chances. On va avoir la tourelle au bot. Je peux décaler au mid, moi. Ouais, stop. Oh, t'as eu la wave, c'est fine, non? Ah, le bâtard. Yo, regarde. Ouais, t'inquiète. Check flash. Je suis là aussi. J'ai obligé de flash, du coup. Je fais le tour. J'arrive. On va tuer au bot. Vas-y, go. L'autre? J'ai mon cul. T'es dehors. Allez, tu push. Tu peux gagner du temps au top, Gop, c'est genre incroyable. Robot, tu peux push au mid. Yep. Y'a Vegar qui va monter sur Gop, peut-être. Vas-y, bah on va prendre la terre mid aussi.
pense que t'as Veigar qui monte Gob. Ouais, mais en vrai, je suis mort donc. Non, il est mid. On tente un. Non, non, mais juste t'as pas de rôle. Ouais, parce que. Un pour respecter. Ils vont prendre la T2 juste. Hein. Mais je reset moi. On a, t'inquiète, on a pris T2 aussi. Non, on a cross. Ok. J'aurais dû reculer. Je vais tenter. C'est bien, gros. Ils sont peut-être ici par contre, je peux pas les faire check la flemme. Ils prennent même pas la T2, ils sont probablement back. Oh, nous on va rejouer okay. Topside maintenant, on joue pour la vision top et la tourelle T en j'ai top. Pas fait gaffe, j'ai cru voir le flash de Wukong, mais je pense que c'est un faux. C'est mort. Attention, on va. Yes. Je pense qu'il y a du monde sur moi. Hein. Ouais, vu comme il joue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, au-dessus, il y a même un peu de monde là. Il va tuer, je pense. On est aussi. Il a flash. Non, ah, là, il a flash, ouais. Je suis là. Hein. On a Horn ouais, aussi qui peut décaler avec nous. Je suis loin hein. C'était sûr qu'il y a quelqu'un, il a pas de flash hein. Voilà, ouais, wave mid. Ouais, je viens de le temps. Ouais, j'arrive, je prends la vidéo avant. Il me voit là. Donc toute la potion, il a un TP ou pas, Gna? Normalement non. Encore genre peut-être 40 secondes. Parce que Gob va devoir partir bientôt. Je vais voir la tour moi normalement là. Vas-y. Aïe. Ok, on fight nous. Donc flash Veigar. Ouais. Pas trop mal. Ah, la tourelle bot, elle est. Je rentre dans la tour. Ouais, la tourelle. Va falloir décaler au mid, après, faut défendre ça. Il back ici, lui, hein. Ok, on tue Veigar. Il a une cage, hein. Il a une cage, hein. C'est le clone. C'est le clone, ouais. On a la wave au mid à prendre. Bien joué, je pense. Il va pas grid, je pense, le gnar. Et y'a où vas-y, on peut t'aider, on peut t'aider. On l'aura probablement pas sur cette wave là parce qu'il y a pas de canon, mais on peut la poke un peu. Quoi. Juste on la poke un petit peu, après on veut back, on a déjà passé sur la carte. Là on veut back si on peut. On très bien, il y aura le dragon à sécuriser dans une 40. Non. Ah hein. Vous pouvez fight, ouais. Hein, y'a personne de votre side. Je bot. Franchement. Ce qu'on veut jouer, c'est le dragon, donc on peut nous contrôler bot side. Et nice. Dans l'idée, à terme, on aimerait bien. Bon, tu me diras en plus, je on va jouer ici pour toute la vision, et dans l'idée, c'est Roba bot, nous au mid et Gobot. Ok. Dans cette wave-là, il sera pour Gob. T'as tapé dans combien de temps? Ouais, tu verras pour le. Ah, c'est bon, tu verras pour le dragon. Du coup, on joue le dragon dans une minute. Non, on avance sur moi, je pense, mais c'est bien ce que tu fais. Ouais. Avec Jean, on va pouvoir plus pressure bot side. On attend que Roba repush ici et on jouera agressif. On attend aussi le repush de Horn. Si t'as besoin de back, je pense, c'est maintenant. Si t'as pas besoin, on peut. Non, rester. Ouais. Okay. Alors, on peut carrément aller là. Hein. On laisse Xayah solo mid, normalement t'es fine, je pense. Ouais, j'ai 50 secondes sur mon ulti, juste. Non, plus rapide. Ah, ils peuvent venir sur toi fast. Ouais, Gob va falloir que tu bouges bien ça. T'inquiète, bleu là-dedans. Ah, je crois que je vais téléporter. Hein. Ah, ils ont check, ils reprennent toute la vision. 30 secondes. Nous, on peut jouer via ici, mais bon. Pas trop con, je suis obligé de laisser le push là. Normal. Pas full push pour qu'on soit avec Chap. Et je TP. Tiens, on va prendre la pluie avec Chap. On aura un flanc de Harry et tout, c'est pas mal. Ils vont se faire Harry, ok, nous on peut pressure. C'est quoi? Regardez ici, ouais, les Veigar, no flash. J'ai 10 secondes sur mon ult, moi. Fais gaffe, Omega. Pas tempo. Ah, je t'aurais pu. Merde. Faut plus trop fight là. On est low. Moi, avec Gop, vous êtes tempo ici. Regarde le trash. Pas pour toi. Ah, je veux. Je fais le tour. Ah, y'a la Jinx en. Ouais, je peux. Merde. Full reset. Ah, mais bad, j'ai pas très bien vu le fight. Ah, ouais, moi non plus en fait, j'ai flash in alors que. T'avais pas de cleanse? En fait, je voulais R et garder la cleanse pour autre chose, mais j'aurais dû la cleanse et R. En vrai, je l'aurais cassé la gueule. Oui. Je pense que dans l'idée, le fight était bon en termes de. C'est juste qu'en positionnement, c'était complexe du coup, vu que je suis allé vers le gnar alors que j'aurais dû être vers vous. Et vu qu'il a utilisé la plante, j'ai du flash pour aller à travers. Ouais, les top side après. Le Veigar est toujours bot, on va avoir beaucoup de pression à mettre ici.
T'as toujours tes AP ou pas? Non. Ah non, mais c'est le feu, j'avais bugué, c'est pour ça. On peut prendre toute la vision ici, on est très très fort. Hein. C'est notre territoire là. Les loups là. Ah, tu veux pas la wave? Ouais. Gob vient avec nous pour le moment. Okay. Si on peut prendre un fight ici dès maintenant, c'est trop bien. Genre au mid, s'il y en a un qui s'avance, on peut prendre un fight. Il y avait le Vega. Il y a toujours du temps là. Okay, bah là par exemple. Flash. Ouais, on kiffe. On gagne. J'ai 2 secondes sur mon reset. Je suis encore un peu loin. Pas de cash. Je peux pas jouer. Ouais, là putain. Ouais, on peut pas faire ce genre de fight contre Vega Wukong. Hein. Genre là, moi, j'ai dit que j'ai pas pu bouger, je me fais instant. Il m'a bump. On a eu trop de temps à le tuer en fait. Ah, c'est. Ouais, c'est vrai, une TP et tout, mais je pense que dans l'idée c'était pas horrible. Hein. On peut pas fight dans les couloirs contre. Enfin, on peut pas gagner ces fights là en fait. Bah, après, dans les couloirs, mec, on a Harry et Oxlade aussi, tu vois, ça dans les deux sens. Hein. Ah, enfin, c'est Wukong Vegar, bro, c'est bien plus fort que nous. Il suffit d'un reset pour la Jinx derrière et. De toute façon, on va y avoir que des fights comme ça. Hein. Peut-être un chouillato, peut-être. Ah, ils vont push bot side eux. Ah, il faut que je sois dans la mêlée avec vous, quoi. Ouais. Le problème, c'est lui. Hein. Après, lui, sur un retour de plume, mais c'est bon, tapant. Juste FK en first en vrai. Chap ou. Non, c'est bien. Chap, 100%. Je pense. Il a pas de TP, lui, donc dans le. S'il y a un truc commun, on peut fight. Genre, après cette wave là avec ton horn, on peut refight. Chap, il y a un raid. 10 secondes sur. Normal, il va bouger, il va bouger à 5 commun, je crois. Ouais, je vais essayer de clear le mid avant. Je peux te stuffer aussi. Et oui, il bouge pas, le Gnar, on est pas si mal ici, en fait. Hein. Il arrive. Ouais, c'est dur. Ok, je suis vu. Juste en pull à wave, du coup on est pas obligé de fight. Et toi, copier moi. Ouais, ouais. Reculer, du coup on est pas obligé de 2 et 5 et 5. Alors, regardez le nord derrière. Collé, je misclic. On perd juste un T1 du Nashor, c'est très très bien. Ils ont pas des side wave et tout, c'est lourd. Attends, on a un flank de robot aussi. Ok, sur Vega. Attention, c'est un méga. Ils vont peut-être vouloir mettre un ulti jump. Ils vont forcer là. Ok, j'ai maquine. Ok. Ouais, il va te le sang des gars. Je peux pas fight hein. Alors, on va devoir live la T2. Je pensais pas qu'il avait la range pour me mettre les spells. Ils pêchent pas plus, ils vont aller prendre la T2 au bot probablement. Prendre la wave haut. Ils prennent un de plus. Ils vont préparer le dragon après, j'imagine. Nevermind. En vrai, ils ont mis du temps en rotate, on a reshop dans 10 secondes. Donc. Ça me paraît dur de défendre quand même. Ouais, ils ont là. Une qui arrive en plus. Ouais. Regarde. Ouais, je peux pas traverser ça. Il y a le Gnar qui arrive. C'est très mauvais. Sorry. Je vais pas prendre Drake, mais. Ils vont trop loin, je suis content, mais. Non, ils vont pas aller trop loin. Ils ont le méga, 50 secondes dragon, ils back lui. Un peu flashé en vrai. Pas faire grand chose, juste repoucher les waves, trouver des ressources. On sautait fort pour fight ou sinon, bon, juste on cross map, on va topside. Hein. Je pense pas qu'on gagne des fights. Il faut 630 gold. Ok, bon, on va jouer topside, on va laisser le dragon, on va jouer ici, on va prendre de la vision et tout. On temporisera leur Nashor, on attend un peu de item. Après, je pense qu'ils scalent les mythes que nous. Enfin, je sais pas. Faut voir en vrai. Bientôt 15. C'est vrai qu'on a Horn. Oui, bon, je vais le dragon, on va prendre toute la vision ici. On les fight pas sur la wave, mais la wave, non, c'est la leur, hein, chef. Ouais. Je pense, trouver moi, peut-être faire un truc ici sur Vegnar si ça avance ou pas. Là, il va remonter. Il va rentrer de là, je pense. Ils vont juste Drake. Hein. Où tu veux. Sur son mecha. Il prend tarif ici. J'ai un Q dans deux. Et la flash, c'est bien. Pas mal. Hein. Peut-être non, on peut prendre la wave haut. On peut prendre la wave haut, c'est bien. J'ai plus de moi par contre. Je suis pas le plus gros pusher du monde.
On peut pas fight ici, c'est pas un bon fight. On a la top troll. J'ai eu avec et ça là. Pas loin. C'est bien, faut pas, faut pas qu'après. Y'a plus de verdings. 2 minutes le Nash. T'as un petit bac. 40 gold. Tu peux attendre 2 secondes au spawn, au robot à la limite. Je te. Mm-hmm. Donc, quête bleu ici, je crois. J'arrive topside. Ah, j'ai mon filet un peu, mais. Bon, tranquille, de toute façon, ils vont juste prendre ouais, la vision. On va temporiser après. Ils vont jouer mon bleu. Ils l'ont, je pense. On peut pas être avec toi là. Et Wukong l'a déjà pris, il est là. Il a fait les camps, je pense. Après, du coup, ils sont pas pris du son topside et on peut fight dans notre vision. T'en es là, moi. Ouais, je pense que tu peux en V1 toujours. Oh, c'est un peu... Non, non, non. Le truc, c'est qu'ils vont push hard bot. Après, je pense que Roba, il est suffisant pour des push. Je peux rester ouais, dans le fog, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être bot? C'est l'important. Ah, il va me faire check là, je crois. Je vais avec Jouance, moi. C'est pas mal. Reculer de la midwave, ils vont plank. Juste, on va camper ouais. Ici. On attend Roba et c'est nous qui avons la prio. On peut les fight de là. Après, sans doute là. Hein. Roba, à la limite, si t'as un flank par le bot side, c'est pas si mal. Hein. Tout est ward. Flanks, genre, ici. Tout est ward. Je vais me faire catch. Pas possible. Ouais. On veut pas fight en pur frontal, on va pas gagner ici. Il y a la wave top par push, mais j'ai pris un ignite là, du coup. Vas-y, va le repush. Hein. Ah oui, d'accord. De toute façon, y'a pas grand chose à faire à part le Nashor là. Il faut ouais, en vrai, je peux choper mon 16. Je push une au bot ou pas une wave? T'as le temps. Y a... Ah non, ouais, t'as pas le temps, t'as 25 secondes. Enfin, ça, t'as vite fait le temps quoi. Mets un Q et casse-toi. Ouais. Faut surtout pas se faire cache maintenant. Tu dois pas initier comme ça. Ouais, mais j'ai eu la wave. Je cours. Ouais. Et j'ai mon item à craft si tu veux, Jones. On arrive à trouver des flancs après. Ils vont le start instant. Je peux poser une ward. Je vais le ciel, je pense. Tu peux flank ici? Là, c'est sur Gob. Ils vont tout lui mettre. Ouais. Ah, je suis trop con. Je peux pas t'aider. Ah, je suis un débile. Hein. Je pensais pouvoir largement. Ouais. Ouais. Ça reste un 50. Oh, Y'a plus l'ulti Vega, plus l'ulti Jinx. Si vous donnez de l'info, je peux jouer le seal. Ils ont toujours la vie. Ils sont sur Tom. On peut hit le mid, nous on va prendre la tourelle. Je pense qu'il y a le Mega, je vais me faire sonner. Y'a le Mega qui va sonner. Je vais taper, je prends le mid moi, je vais push. Ouais, il prend la mid lane. Non, on peut pas trop. Oh, dommage, je vais en vrai. On peut pas trop commencer à la tourelle inhib. Cours après. Ouais. Merde. Ah, Robin est mort. Y'a flash, je meurs aussi. Ah, c'est une merde en vrai. J'avais pas ils vu. Ils peuvent pas prendre très grand chose de ta mort en vrai. Ah, si, ils vont prendre quand même. Si, j'ai rien, ils vont prendre. Mais. Ils vont pas chômer tout droit. Oui. Mais bon. Ça va être chaud de les gérer sur sa poche. Faut au moins laisser ça. Ok, non. En timing back. C'est toi, anti back maintenant. Ouais. Une 17 avant le dragon. J'allais mettre un peu de vision, j'ai le temps. C'est vraiment à vous de trouver des flancs en général. C'est son Q les dégâts, mais genre. Après, moi je prends un gage en frontal, mais ça a pas fonctionné. Quoi. Wukong, c'est flanc, vraiment horrible. Hein. Je suis mute là, mais. Oh, Wukong, c'est vraiment horrible. Genre là, par ici, vous avez de la place, je pense. En vrai, Drake, on peut juste le give, je pense. Hein. Bah. Ouais, je pense aussi, hein. Ouais. Après, encore une fois, est-ce qu'il scale pas encore mieux que nous, quoi? Ah, mais il scale mieux que nous, c'est sûr, certain. Faut se rappeler Vegar ou Jinx, c'est l'entrée du teamfight, quoi. Ah, Vegar, on peut pas le tuer. T'as pas beaucoup de dégâts, mec. Hein. Ah, moi j'ai des dégâts. HPC est là, si tu veux, mais je pense que tu veux. Aucune idée. Ah putain, elle se fait lanterne. Hein. Oui. Ils vont jouer le dragon. T'as plus de lanterne par contre. Là, Evo Mid, c'est bien sûr. Là. Ouais, ils ont pas pris la lanterne. Il y a un gars qui est en train de push bot. Faire gaffe, hein. Faire gaffe au bot, tu peux limite finir. Y'a un mec là. Mais je pense que si on pressure. Vous les flip si on, ouais. Si on peut, on doit gagner ça. YOLO, comme disent les jeunes. Ils ont trinket bleu à base. Hein. Défendre. Après, le problème, c'est qu'ils ont un Nashor quoi. Donc, je pense que c'est pas fou. Faut back après l'inhibiteur. Sinon on pourra pas une. Ah, ce qu'on a pas le robot, faut que je peux tuer.
Ouais, il a plus de... Il y a Jinx, hein, ils ont un reset. Ils prennent au moins les T4. Ouais, ils vont nous cancel. Il faut peut-être le fight lui. Je te back. Flash. Ouais, ils finissent, Ouais, mais j'ai fait une game vide, on gagne pas, les 5v5 de toute façon, je pense que c'est compliqué. Ouais, fallait tenter un truc. J'ai fait une game de merde. Mais au dragon, je pense que le fight, on doit le gagner, ceux qui se demandent cette game. Ouais, je suis d'accord. Genre le fight avant le dragon on était très très bien, après le dragon on a tout perdu et plus personne voulait fight et le truc c'est que moi je peux pas flank. Et on avait tout le temps toute la vision mais je sais pas. Je sais pas si c'est compo ou je sais pas si c'est juste on avait peur de jouer, je sais pas. Ah, même le fight dans la jungle pour moi il est bien. Mais... Je jure que non. Y a pas chape, on a pas de dégâts pour tuer le Thresh et je peux pas, genre j'ai go in mais on tue pas le Thresh et juste y a Wukong qui sort de nulle part parce qu'on a pas assez de vision, je me fais bump into cage. Et je suis mort en 3 secondes de CC, enfin 3 secondes de dégâts, 3 secondes de CC. À partir du moment où ils ont le reset sur Jinx, vous mourrez tous les deux aussi. Et on... Ouais, ce fight était un peu flippy, mais leur compo était... Enfin, comment dire déjà, la conclusion, Wukong, du coup, à vie. Bah, c'est honteux, c'est honteux, Wukong. Trop fort, ouais. Enfin, trop fort comme perso. Enfin, en vrai, tu peux être le pire joueur du monde et... Bah ouais, non, mais c'est trop chiant, Wukong. Et enfin, tu vas quand même 1v9 parce que c'est trop facile à jouer. On est d'accord pour plus give. Ah, moi j'ai pas. Ouais. Franchement, en fait. Ouais, c'est first pick ou ban, je pense. Le Veigar dans la game existe juste parce que le Wukong a trop d'impact. Genre, ouais. Il bump perma. Parce qu'en vrai, le Veigar, j'avais le push toute la game, on avait toute la vision tout le temps, on était plutôt bien, on a volé les vrais. C'était GG, hein, vraiment. Mais je te jure que Wukong, c'est illégal le champion. Rien que Wukong. Dans le 2v2, fait qu'on peut jamais 2v2. Et derrière, en teamfight, il a 100 fois l'impact. Je joins, mais... Il y avait un autre truc à faire, c'est que... Peut-être fallait prendre les fights beaucoup plus slow et essayer d'absorber l'ulti Wukong, parce que vous aviez de quoi, en réalité. Enfin, peut-être il y a Nautilus qui tombe, mais avec Ahri, Xayah, etc., il y a moyen, quand même, de passer l'ulti Wukong sans se faire full catch, mais c'est pas évident. En fait, le problème, c'est down, en vrai, c'est free, je pense. Le problème de répondre Ahri dans Wukong comme ça, quand on give, c'est qu'il va prendre Veigar quasiment tout le temps et que il va se passer ce qui se passe là, tu vois. C'est juste que c'est un peu tanky, ça fait autant de dégâts que moi, voire plus en étant plus tanky que moi. Ahri, c'est useless face à Wukong, j'ai l'impression. Et je peux pas dash. Il y a le clone et tout. Je peux pas le catch, je peux pas vraiment teamfight non plus. Et c'est dur. Après, si nous on a le Wukong et qu'on a Ahri avec Wukong, le 2v2, je pense actuellement, Ahri-Wukong en 2v2, il n'y a rien qui peut match. Hein. Ouais, ouais, sûr. De toute façon, je pense que Wukong plus un mid, c'est difficile de gagner Par contre, 2v2. Botlane, c'est big, hein. Votre duo avec Xayah, il fonctionne super bien. Ouais, c'était fine. Early était clean, hein. Mmh. Va à gauche, je pense. C'est dommage. En very early, on a mal trade, mais hormis very early, c'était. Ouais. Mais vous avez bien bounce, hein. Je pense que Xayah, c'est big pick. Hein. Oui, Xayah, c'est vraiment strong. Champion est bien. Hein. C'est vraiment très strong, Xayah. Ouais, non, mais vous le jouez bien aussi. Ouais. Je pense... En vrai, par contre, Xayah contre Wukong, je trouve que c'est pas si fort. Bah non, c'est ah ouais pas... C'est étonnant, hein, parce qu'on pourrait croire que, mais... Parce que je me disais que c'était plutôt smart, plumes, en fait, pour ramener. Ouais, c'est ça, c'est dur d'utiliser les plumes. En fait, il a son ult, mais il peut esquiver qu'un des deux ultis, même de Wukong. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vrai que moi, je pensais que ça passait safe, mais... À chaque fois que je jouais Xayah contre Wukong, j'ai galéré de ouf. Après, non, on a fait poche. Et Ahri, blank pick, du coup, en vrai, ça va, c'était fine ou... Ah, c'était... En fait, c'est... je te dis, le match-up contre le Veigar, c'était complètement fine, mais... c'est Wukong, quoi. Ouais, Wukong. Et Juinz, Viego Wukong, c'était comment? C'est pas fou. En fait, c'est bien quand la game est even, dès qu'il a un peu de lead, c'est compliqué pour moi. Ouais, et puis en plus, il y a un Veigar derrière pour encore plus zoner. C'est dur en fait de tuer une personne pour que Juinz puisse se libérer. Ah, si j'ai le reset sur le Wukong dans la game, c'est vraiment, ouais, vraiment bien, mais vrai. On n'a jamais réussi à le tuer. Ah, c'est dur de ouf, ça t'empêche tellement. Quoi. C'est bon, c'est bien bon. Ah, je pense que le plan c'était plutôt ça, c'était plutôt d'essayer de taper Wukong, mais bon. Je pense pas que vous aviez les moyens de le faire. Mais bon, tant pis, hein, c'était le test. Wukong disparaît. C'est ça. Ouais, ouais, le perso est pas. Ouais, voilà, donc Wukong passe dans la catégorie XXL. Ouais. Ouais, champion, c'est quelque chose, hein, vraiment. Bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu cringe, quoi. Parce que je pense après, que... c'est un peu le seul, donc ça va. Mais je pense que Juinz est dans un état de forme où il peut gap la plupart des mecs, voire peut-être même tous, en open tour. Et genre, le fait qu'il ait Wukong en face fait que. Y a rien, tu vois. Genre, le mec est.
en 1v9 alors que il a quasiment 3 lanes perdantes. T'as tué au top, je crois, Gob. On l'a tué, on a la vision partout. Après ma lane, je fais un truc bizarre. Mais genre, en vrai, on a, trois lanes gagnantes. Je me peux pas le permettre. En fait, j'ai raté mon flash et après, ça m'a saoulé. Le gank était très bon et tout, il y avait un bon. Ah non, mais ma laning phase était bien, le flash ignite, genre, en fait, je dois le tuer tous les jours. C'est juste que j'oublie qu'il gagne la move speed, et genre sur sa dernière auto, là. Et du coup, genre, mon flash, il est pas en connect de stun. Ouais. Et derrière, genre j'étais tilted, du coup mon ult il part sur Namek. Mais admettons dans les fights là, parce que vous avez eu aucun fight setup genre gob devant, un flank et tout, avec un ulti qui part, etc. Mais si vous imaginez un petit peu le truc maintenant.